Quand ça sert, c'est bien, là, la sensation est intense. Poti. C'est serré, comme une fille qui est fermée quand on vient de déviager il y a quelques semaines. Quand ça sert, tu prends le goût, plus le plaisir. L'homme aussi prend le goût aussi, plus le plaisir. Quand ça sert, ça blesse. Quand ça flotte, c'est pas intéressant. Mais va voir dans mon fesse même. Quand ça prend juste la forme. Quand ça prend la forme, il n'y a pas assez de violence, ni de douleur. Quoi. Ah, ok. Bonjour, je suis ravie d'être en votre compagnie. Cet après-midi, eh bien, le sujet est le suivant. Vous préférez quand ça serre, quand ça flotte ou quand ça prend la forme du... C'est un peu ça le sujet. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Lookbee, laisser des propositions de sujets, commenter afin qu'on sache si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Et sur ce, on se dit à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu vas? Ça va. D'accord, la question est la suivante. Vous préférez quand ça flotte, quand ça prend la forme ou quand ça serre? Ça prend la forme. Petit. Ça prend la forme. Pourquoi que ça prend la forme? Comme ça, je ressens bien. Je suis plus à l'aise. Mais quand ça serre aussi, là, je me dis que c'est bon. Ça fait mal. Quand ça serre, là, c'est ça, le gars prend beaucoup de goût. Il prend assez de goût, non? Mais la femme aussi a souvent la mal. Elle a mal. C'est ce qui fait que quand tu ne fais pas trop de rapports et puis tu veux refaire, tu veux venir faire, là, ça, tu as mal ou pas avant lui. Toi, tu préfères quand ça prend la forme. La forme. Que ça flotte, tu n'aimes pas? Non. D'accord, mais si peut-être que tu es sur le point de faire des rapports, puis ton homme, tu te rends compte que c'est la première fois que vous avez les rapports sexuels, tu te rends compte que c'est gros et tu sens que ça va serrer. Est-ce que tu vas stopper les rapports sexuels là? Non. Si c'est mon homme, pas de soucis. C'est avec. Oui. Merci, bonjour à vous. Pas de quoi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, super. D'accord. Merci. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Regardez la caméra. La question est la suivante. Vous préférez quand ça flotte, quand ça serre ou quand ça prend la forme? Bon, pour moi, en général, vu que c'est le plaisir qu'on recherche, je préfère quand c'est au juste niveau, que ça ne flotte pas. Quand ça serre, quand c'est comme ça, c'est bien. La sensation est intense. Petit. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est... vous préférez le serrer? Voilà, le serré, le collé serré sur le serré. Voilà. Adieu. Mais pourquoi vous préférez ce côté collé serré? Parce que souvent aussi, il me dit que ça fait mal à la femme. Justement. Bon, en tout cas, quand la femme mouille bien, je ne pense pas que ça fait mal. Voilà, quand la femme mouille bien, il n'y a rien, ça gère. Quand c'est serré, voilà, il faut bien. Les femmes qui sont, comme on dit, un peu sèches là. Elle, bon, en tout cas, chacun a son goût. Voilà. Je pense bien que quand ça serre là, c'est ce qui est bon. Voilà. Merci, bonne journée. Bon week-end, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, demoiselle. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Vous pouvez vous arrêter comme je suis arrêtée, s'il vous plaît. Merci. Alors, la question est la suivante. Vous préférez quand ça serre, quand ça flotte, mais quand ça prend la forme? Bon, je peux dire, les filles en général aiment quand ça serre. Comment elles font ça? Par contre, aussi, il y a d'autres qui aiment quand ça prend la forme. Mais c'est quoi qui est recommandé entre les trois? Bon, je peux dire. Bon, quand ça sert. Quand ça sert. Voilà. Mais quand ça sert, ça fait pas mal à la femme. Si, ça fait mal, mais. Il y a d'autres qui prennent le plaisir. Par... Ok. Là aussi. Par contre, aussi, c'est quand ça prend la forme aussi que nous autres aussi prennent le plaisir. Donc, il y a plusieurs types. Toi-même, là, entre les trois, toi, tu préfères quoi? Tu recommandes quoi? Point d'interrogation. Si tu étais moi, je choisis entre les trois. Bon, je peux recommander de prendre quand ça. Quand ça prend la forme. Voilà. Pourquoi? Pourquoi quand ça prend la forme? C'est parce qu'on ressent le goût bien, c'est pas. En fait, c'est parce qu'on ressent le goût, le plaisir. Quand ça sert là, bon, quels sont les inconvénients de quand ça sert? En fait, quand ça sert, tu prends le goût, plus le plaisir. L'homme aussi prend le goût aussi, plus le plaisir. Ça fait un peu mal. Ouais. Ça fait mal, mais. On supporte. Voilà, on supporte. Quand ça prend la forme, que c'est bien. Quand ça prend la forme aussi, c'est bien. Mais par contre, il y a d'autres hommes aussi qui n'aiment pas quand ça prend la forme. D'autres aussi aiment aussi quand ça c'est. Toi, tu aimes quoi? Bon. Quand ça prend la forme. Nous, on a toujours des belles dents. Quand ça prend la forme. Bon, quand ça prend la forme. D'accord. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. On peut avoir honte comme ça? Ouais. Hein? Les lunettes et chapeau. Yeah. Elles sont barrées, mais il ne faut pas les voir. D'accord, la question est la suivante. Bon, selon vous, qu'est-ce qui est recommandé? Quand ça serre, quand ça flotte, mais quand ça prend la forme du sexe? Quand ça prend la forme,
pareil. Mais pourquoi est-ce que vous ne préférez pas quand ça sert, mais quand ça flotte? Quand ça sert, ça blesse. Quand ça flotte, c'est pas intéressant. Mais va voir dans mon fesse même. Et quand ça prend la forme? C'est ce qui est recommandé, ce qui est juste. C'est pareil. D'accord. Merci, bonjour. Merci à vous, pareil. Bonjour, madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. D'accord. Normalement, bon, qu'est-ce qui est recommandé à la femme? Quand ça sert, quand ça flotte, mais quand ça prend la forme? Bon, en matière du sexe, chacun a son goût, chacun a sa manière de voir la chose. Il y a d'autres qui aiment quand ça prend la forme, il y a d'autres aussi qui aiment quand ça sert, il y a d'autres qui aiment quand ça flotte. De toute façon, souvent, il y a d'autres qui disent que quand ça sert trop, ça blesse. Ah, ok. Donc, bon, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Ça dépend, quoi. Chacun a son appréciation. Oui. Mais vous préférez quoi? Bon, vous, qu'est-ce qui... C'est quoi qui est le bien? C'est quoi qui est le bon? Bon, moi, la forme, hein. La forme, c'est qui prend la forme? Bon. Mais pourquoi vous préférez, pourquoi vous recommandez ce qui prend la forme? Bon, c'est ce que je dis, chacun a sa manière de voir la chose. Cela, je ne pense pas que ça... C'est ce qui me va, donc c'est ce que je dis. Je me dis que ça ne prend pas, ça fait pas, ça ne crée pas, en fait. Sinon, l'absence ne prend pas trop le goût, quoi. Parce que je me dis que c'est quand c'est serré, comme une fille qui est fermée, quand on vient de déviager il y a quelques semaines. Bon, souvent aussi, ça aussi, ça crée des problèmes. Parce que quand ça te blesse, ça crée des infections. Merci et bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. D'accord, la question est la suivante. Vous préférez quand ça sert, quand ça flotte, mais quand ça prend juste la forme? Quand ça prend juste la forme. Quand ça prend juste la forme. Mais pourquoi est-ce que vous refusez quand ça, les autres quand ça sert, puis quand ça flotte? Chacun a son goût, je pense. Mais est-ce que c'est vrai que quand on dit quand ça sert, ça blesse, est-ce que c'est vérifié? Ça, bon, je pense pas. Je sais pas. J'ai dit oui ou pas, j'ai dit non, je sais pas. Pourquoi tu préfères quand ça prend la forme? Juste la forme. Pourquoi toi tu préfères quand ça prend la forme? Est-ce que c'est là la femme, l'homme et la femme ressentent leur plaisir? Normalement, oui. Oui. Je peux dire oui. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Vous préférez, bon, qu'est-ce qui est recommandé généralement? Quand ça sert, quand ça flotte, mais quand ça prend la forme? Bon, je préfère que quand ça prend la forme, là, comme ça, c'est normal. Il n'y a pas assez de violence, ni de douleur, quoi. Ah, ok. Merci, bonne journée. Merci. Terminons notre micro-trottoir. On a été très ravis d'être avec vous au cours de ce numéro. Voilà, et on espère vous revoir encore. Portez-vous bien, succès. Bisous.